Et salut les athlètes, on se retrouve pour la Bordeaux Métropole Runners League. Deuxième étape, on est à Bassens, boucle 2, 4,6 km qu'on vient de faire en reco avec les copains sangliers. Et là, bah, du coup, on va la faire en mode vénère, en mode course pour apporter un max de points pour l'équipe. Allez, je rejoins l'équipe au départ et puis on vous emmène sur la boucle. Bon alors, tes impressions? C'est trop dur. Et le chrono? Le chrono monté. Ça peut aller. Ça va? Il y a mieux, mais c'est plus cher. Quand je fais ça? Ah, va bosser les fissons pour les côtes. Pour les côtes? Alors, travailler la vitesse. Ça a tenu la cheville? Ça a tenu, mais j'ai glissé. Regarde. Oh, t'es tombé? Ouais. Trop vite dans la descente. Un vrai sanglier. Bon, maintenant, on va aller prendre l'apéro avec les mascarés. Voilà, bon, la course est terminée, donc au lieu de faire 4,6 km, j'ai fait 5 km. Erreur de balisage, donc je suis revenu sur mes pas, j'ai mis 22 minutes 30, donc on reviendra dans la semaine sans se tromper cette fois pour faire moins de 22 minutes. Et là, bah, c'est cool, hein, vous avez vu, il y a l'équipe des mascarés qui nous accueille sur ces terres à Bassens et qui nous offre l'apéro. Bon, l'apéro, ça va être light. Je refilmerai le prochain passage. Donc on se retrouve dans la semaine. Bon, bah, comme prévu, on est aujourd'hui jeudi. Je suis retourné refaire le parcours. Ce qui était moins cool, c'est qu'il y a eu des grosses averses hier et aujourd'hui, donc le terrain était un peu plus trempé. Je suis parti non pas avec les Escalant Racer, mais avec les Merrell Trail Glove. Très bonne accroche, malgré les petits passages avec des petites caillasses humides, là c'est moins cool. Mais très bonne surprise parce que je boucle le tour en 20 minutes 41, donc ça c'est cool. Bien loin des 22-30 avec les 400-500 mètres de plus de samedi dû à mon erreur de parcours. Là franchement, je pouvais pas me tromper de parcours. J'ai fait une petite reco avec Octave, un membre de l'équipe des sangliers, donc c'est plutôt cool. Bon, après on va pas se mentir, c'est pas des distances qui me correspondent. 4,5 km, ça va beaucoup trop vite pour un vieillard comme moi de 38 ans. La prochaine étape, c'est encore plus court parce que c'est moins de kilomètres. C'est moins de 4 km sur les 2 ou 3 prochaines étapes. Il va falloir faire un peu de vitesse, hein, pas le choix. Mais bon, en prépa marathon, c'est pas vraiment ce qu'on recherche, la vitesse. J'espère que la vidéo de cette deuxième étape vous a plu, les athlètes. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors abonnez-vous et likez si vous avez aimé. Sportez-vous bien, les athlètes. À très vite. Ciao, ciao.